Je suis à Crèche Gwen et j'adore venir ici le week-end faire mon footing. Alors moi je fais du footing, mais il y en a qui viennent pour faire du tir à l'arc, de l'escalade, du tennis également. Et sur le lac derrière, on peut faire de l'optimiste ou du kayak. Cet endroit, c'est vraiment la nature et c'est également la détente et on vient vraiment s'y ressourcer. En plus, nous sommes sur les bords de l'Audet, une des plus jolies rivières de France. La parcourir, c'est découvrir de magnifiques propriétés, comme ici à La Niron, ou comme plus loin, celle de Plomelin. Remonter l'Audet, c'est remonter l'histoire. Et justement, l'histoire, c'est ma passion et j'en ai fait mon métier. Je suis guide conférencier et en Cornouailles, il y a toujours quelque chose à découvrir. Le calvaire de Kerdévote, l'enclos paroissial de Gwengat et bien sûr Quimper, ville d'arrêt d'histoire qui attire des touristes du monde entier. Il n'y a pas que les touristes intéressés par la richesse de la Cornouaille. Ici, à l'Ocronan, en moyenne tous les 4 ans depuis les années 30, est tourné un film. Citons Tess de Roman Polanski. Pour l'occasion, tous les câbles électriques ont été enterrés pour préserver l'aspect historique de cette cité de caractère. Et un autre endroit de caractère, c'est ce quartier de Locmaria, où se rencontrent l'histoire, l'artisanat d'art et le haut de gamme, notamment avec les faïenceries Henriot et leurs 3 siècles d'histoire. Et ici vont également s'installer l'école et l'atelier de Pascal Jaouen, brodeur et styliste de renom, qui habille des chanteuses telles que Gwenine ou Nolwenn Leroy pour le festival de Cornouailles. Et ce dynamisme, pour moi, c'est vraiment ça Quimper, une ville à la fois moderne et ancrée dans la tradition. Ce que j'aime ici, c'est que ça bouge tout le temps, qu'on y vienne pour des affaires ou pour du tourisme. On peut tout le temps être au courant de ce qui se passe à Quimper grâce à l'application smartphone. Moi d'ailleurs, ce soir, je vais chercher des amis qui viennent de l'aéroport, ils viennent de Paris. On va se retrouver sur le festival Sonic et c'est parfait pour s'amuser.